Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Rendre parfait le registre de la vie. Interpréter. Rendre parfait le registre de la vie. Dans les leçons précédentes, nous avons remarqué que l'esprit est le souffle avec le registre de la vie que Dieu consigne dans les livres célestes et que cet esprit sera restitué à la résurrection. D'une manière ou d'une autre, durant la période de l'Ancien Testament, les registres de la vie des justes qui étaient morts n'étaient pas parfaits. Pourquoi ? Tout simplement parce que Jésus n'était pas encore venu. Par sa vie et sa mort, Jésus est devenu parfait ou qualifié pour rendre les croyants légalement parfaits ou les qualifier pour le salut. Hébreux, le chapitre 7 à 10, nous dit que le système sacrificiel de l'Ancien Testament ne pouvait pas perfectionner ou qualifier légalement les croyants de l'Ancien Testament pour le salut. Le sacerdoce lévitique ne rendait rien parfait, car il ne faisait qu'indiquer une meilleure espérance. Hébreux 7, versets 11 et 19. Le système de l'Ancien Testament ne pouvait pas rendre la conscience de l'adorateur parfaite, parce qu'il ne peut rendre parfait le cœur de quiconque pratique ce culte. Il est question seulement d'aliments, de boissons et de diverses cérémonies de purification. Il s'agissait de règles d'ordre matériel qui n'étaient valables que jusqu'au temps où Dieu réforma toutes choses. Hébreux 9, les versets 9 et 10. Cependant, Jésus a légalement pardonné les péchés des héros de la foi et a rendu leur esprit, le registre de leur vie, parfait parce qu'il est venu non pas avec le sang de bouc et de veau, il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 10, les versets 1 à 4 et 11, 12 et 14 établit un contraste entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le système cérémoniel ne pouvait amener à la perfection ce qui s'approchait, car le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas légalement ôter le péché. Après avoir offert le sang des animaux, les adorateurs étaient toujours conscients de leur péché. Cependant, par une seule offrande de sang meilleur, Jésus a rendu parfait pour toujours ce qu'il purifie du péché. Le registre de la vie des saints de l'Ancien Testament n'était pas parfait, parce que Jésus, la réalité, n'était pas encore venu. Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. Hébreux 11, verset 39. Les héros de l'Ancien Testament ne pouvaient pas être parfaits sans ou en dehors des chrétiens du Nouveau Testament. Dieu avait prévu mieux encore pour nous et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Hébreux 11, verset 40. Qu'est-ce que ce mieux encore? L'Épître aux Hébreux fournit la réponse. Les héros de l'Ancien Testament vivaient dans une période d'ombre, tandis que l'auditoire immédiat de l'Épître aux Hébreux vivait dans le temps de la réalité vers laquelle ces hommes dirigeaient l'attention. Nous sommes maintenant prêts à comprendre Hébreux 12, verset 24. La plupart des versions bibliques présument que ce texte oppose le sang versé d'Abel au sang versé de Jésus. Les mots « le sang de » sont insérés dans le texte. Le sang des animaux ne pouvait pas légalement ôter le péché, mais le sang du Christ le fait. Albert Barnes en a saisi le sens propre. La signification ici, c'est que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, c'est-à-dire que le sang de Jésus est la réalité dont l'offrande d'Abel était un type, tiré de Barnes Notes, base de données électronique. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment le sang de Jésus vous fait-il parvenir à la perfection? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.